Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la carrière de Raven. On va jouer une petite heure, pareil. Comme la dernière fois, c'était très bien. Si j'ai des problèmes de disque dur ou quoi, c'est normal. Mais c'est pas un problème de stockage. Genre, si j'ai un gros bug ou quoi, c'est que j'ai eu en fait un problème de disque dur, mon disque dur externe, que j'ai fait de la merde en fait, concrètement. Ah, du coup, on est passé deuxième, mais on va affronter la Pédia. On les avait pas affrontés. Ah si, il y avait ce bug. Ah, relou. Relou, relou. Je sais plus où j'en étais, moi, du coup, sur ça. Calabresi, ouais. Je l'avais vendu, lui? Je sais plus. J'ai fait tellement de choses que je sais plus. Qui es-tu? Hoffmeyer en prêt, ouais. Ah, passer date limite, je pouvais, mais. Au moins, c'est fait. Attends, mais du coup, j'aurais été où? Avec ces conneries là. Ouais, jusque-là, ok. Ok, équipe. Ok. Ah, du coup, t'es pas passé, toi. Relou. Donc, je le fasse jouer un peu. Ouais, t'as de belles perspectives, c'est ce que je me disais. Je sais plus ce qu'on avait fait. J'avais touché à 2-3 petits trucs, mais j'ai pas souvenir. De formation, si je crois, j'avais touché à un truc là-dedans. Toi, tu vas être trop fort, hein. Ah, t'es vraiment un MOC de nez dans l'homme, toi. Je pense que s'il passe AT, premier degré. Jure que je le ferais. Ouais. Toi, t'es pas mal aussi, t'as du bon potentiel. J'avais mis Dynamo, ok. Neuf et demi, t'es en MOC, frère. Ah, lui, il serait plus MC que AT, tu vois. Bah, en vrai, je regarde les stats. Ah ouais. Lui, on va le faire passer en MC, par exemple. Pff, toi, je sais pas. Ok. Bon, du coup, c'est cool. Ah ouais, du coup, il y avait eu ces rapports sur eux, là. Relou, lui. D'après, bien sûr, qu'il arrive un petit. Entre toi à la hauteur.
Attends, mais je l'ai remis sur la liste des prêts, Gallo. Monsieur Gouré. Bah oui. Ah, il a perdu un point, Kenny. Ouais. Bon, contre le Ternana, on a un match de coupe après. Bah, attends, Gallo d'ailleurs. Lui, ton Gallo là. Va jouer avec Villa. Ounas, on va être Castillo. De Luca, on met Jovanovic. Draxler, je crois, il se rattrapait pas très bien. On va mettre Ounas du coup. Ah, De Luca, je pense. Alors, De Luca, on va le jouer plus haut. Avec Dusan, j'ai besoin de lui. Ah, ça fait une défense faible. Jordan. Ah oui, Jordano, il est en prêt, pardon. Attends, ça va être l'option de faire jeu Colombo d'ailleurs. Ah, Kilani, j'ai besoin de lui. Et je vais faire jouer Fontana. Hop. De toute façon, on est contre le Ternana, donc ça va être ok. On va lock sur Villa. On joue en bleu, c'est bien. C'est carré. On va jouer une petite heure du coup, comme j'ai dit. Ça va être sympa en vrai. Je me suis dit, en vrai, si je faisais des petits montages sur les. Un peu comme. Comment il s'appelle? Maestro. Bonsoir à toutes Mais et à tous. après Nous allons réflexion, je vivre préfère laisser un en grand bot. match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt. Putain, Nous on a attendons domicile. maintenant le coup d'envoi. Et ça sera enfin parti. Au commentaire, Benjamin Da Silva est celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca. C'est un match de série BKT qui nous attend. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Quand on aime le football, on est Ouais, j'ai eu peur. impatient. J'ai déjà envie que ça commence. Ah, donc elle a été Vamos! touchée, ok. Ok. Le corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Je suis attendu. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Facile pour le gardien. Ah, les adversaires pressent. Ouais, depuis quelque temps, il y a pas mal de débats quand on évoque son nom. Avec Et là, Eleni, pour l'instant, le normal. sujet, c'est la retraite. Il y songerait très sérieusement en fin de saison, en tout cas. C'est ce que laisse entendre son entourage. Oui, j'ai entendu ça. La retraite dans le football, c'est comme une petite mort. Mais il faut aussi éviter de faire la saison de trop. Quitter son club en étant au sommet, c'est le top. Non! Ah là là, la Dans mauvaise gru, passe. frère. Ah non, pas bien dosé ce ballon et ça file vers le gardien. Ah, c'est bien joué, il y a une bonne progression. Bon, rien à dire. C'est à nous, c'est ça? Ah, c'est quadra, ok. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. C'est bien de faire tourner un peu, c'est pas mal. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Ah, la frappe est contrée. Ah ouais? Oh merde. On joue la Talenta du coup après. Gros club quand même. Ça, j'ai besoin de Chiellini. Elle la frappe, Oh, attention. il est hors jeu? C'est dedans. La réponse Non? est vite venue. Quel En vrai, scénario il est pas hors jeu? incroyable. À peine le but encaissé et c'est déjà l'égalisation. Ah, oh ouais, ça joue à rien. Ok. Et avec une Excusez-moi. victoire de parité, un partout. Et petite séquence de tiki-taka avec ce redoublement de passe. Aïe aïe aïe, ça passe pas. Ballon rendu.
L'action se poursuit dans le camp adverse. Ah ouais. Oui, but. Encore un. Ah ouais. Pour assommer complètement l'adversaire. La victoire se profile et elle est belle. Ah ouais, j'aurais dû laisser mon gardien, je pense. Non, mais je pense qu'il l'aurait pas arrêté dans tous les cas. La passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Sur le côté, un pont. Hors jeu. Ouais, fallait la donner avant. Triste. Les stats le confirment, la position n'est pas... Oh, c'est un bon ballon, ça! Quel geste! Moi qui pensais au début faire rentrer un autre défenseur. Là, je crois que... Surtout faire rentrer Chiellini. Et ce ballon est finalement intercepté. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Pour nous, là. Une chance d'égaliser, peut-être. Ouais, c'est un hors-jeu. Il y a eu... quoi ? Comment ça, il y avait un hors-jeu ? Ah ouais ? M'étonner du hors-jeu, là. Et l'équipe reprend la possession. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Ah, c'est pas évident, mais très bonne couverture. Ah, il dépose l'adversaire. Ah, il m'a eu. En fait, au début, je pensais qu'il allait faire un quadra. Ah, fait chier. Bon, on va faire des changements, c'est sûr. Alors, je vais faire gaffe. Là, on va faire rentrer Chiellini. Toi, t'as... Ah non, j'ai laissé Ounas, pas Canos. Putain, j'ai dit Anos en plus, c'est toujours Canos. Voilà, on va faire comme ça, je pense. Bruno, je l'ai pas mis. Gallo, on va le laisser jouer en vrai. Ok, en fait, on se fait mener donc. Ouais. Ouais. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Et ça a l'air bien dosé, ça. À peut-être l'égalisation. Oh là là. Voilà le but. Une égalisation. Une belle manière pour relancer. Direct. La fin de ce match est imprévisible. Tellement de buts, tellement de... On n'avait pas notre équipe A, donc pas étonnant, quoi. Je rappelle que je suis censé être un milieu de terrain. Oh, ça aurait pu. Oui, bien fait de la part du gardien. Ça aurait pu. Dommage. Et il prend sa chance sans problème dans les bras du gardien. Très bonne intervention dans la surface. Un joueur polyvalent sur le marché des transferts, c'est officiel. Marco Llorente a signé Aston Villa. Et voilà, fin de la telenovela. Tout le monde s'est mis d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Non. Allez, c'était Dej. Assez prometteur, mais la contre-attaque ne va pas au bout. Oh, attention à ce ballon. C'est un but de merde. C'est un but de merde. On va rester équilibré alors. 3-2 donc
au tableau d'affichage. Eh, je vais quand même aller devant avec mon joueur. Aucun souci sur ce ballon, c'est pour le gardien. Allez, vas-y, va à droite. En fait, j'ai envie de presser, mais j'ai un match de genre deux jours, quoi. La coupe. Le ballon donné dans le dos. Ah, le ballon est intercepté in extremis, magnifique. Ah, le gardien se couche bien au sol sur l'intervention. Oh l'enfer, Fontana. Père contre le Ternana, frère. Le corner. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Oh dur. Ah non, j'ai fait un mauvais contrôle. Triste. Kaleni, bien joué. Non, mais putain. Quel enfer. Oui, le tir. Oh, la barre, la transversale. Et le ballon sort finalement. Oh, c'était bizarre que ça mute. En effet, il s'en a fallu de peu. C'est bizarre. Et le ballon passe un bisou au filet. Bizarre. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Putain, mais comment c'est possible que ça soit aussi ouvert comme jeu, là? Putain, Bruno, il nous manque terriblement, j'aurais pas dû le mettre sur le bord. Le corner. Après, je voulais le préserver un max, quoi. Ouais, c'est un pressing efficace. Oh, la balle de Max. Et la parade du gardien, mais ce ballon n'est pas maîtrisé. Ballon contré, mais ça revient. Oh, ça va au fond, but. On va passer en offensif. On peut pas mettre du 3 offensif. Je dois faire. Je peux pas. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Mais il m'accrochait là. Non ? Toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Une grosse opportunité, attention. Non, trop longue. Le gardien arrive en premier sur ce ballon. Ah, on perd. Oh, deuxième place qui va retourner troisième place, relou. Eh bien fait. Mais t'es hors jeu, frère. Eh, drapeau levé, hors jeu, et dommage parce que l'appel était très bon. Et oui, ce qui a pêché, c'est le timing de la passe. Un tout petit peu trop tard. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. Ah, déjà c'est perdu. Comment ça 2 minutes, il y a 1 minute là. C'est récupéré, ça. C'est ouais, c'est perdu. L'arbitre qui siffle à dommage. Dans la fin du match et donc pour l'équipe. Dommage. Ah, ils ont été meilleurs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont été meilleurs, c'est tout. Ah, du coup, on repasse troisième obligé. Ok. Ouais, t'as juste vu là, il manque un chouïa, mais c'est bon. Bon, on part avec l'équipe type, là-dessus, y a pas de débat. On va lock l'attaque, surtout. Changer maillot, là, c'est un peu similaire, en vrai. Là, on va jouer en orange, j'ai compris. À domicile, je crois. Ah non, c'est nous. Osef. Osef au pire. Putain, fait chier. Forcément, Agnusson, tous ouais. Les yeux sont rivés sur lui.
son nom est en tête du classement des buts inscrits dans ce tournoi. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Place aux 8 meilleures équipes dans cette compétition et ce quart de finale particulièrement alléchant. Et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Kenny, pourquoi il s'écarte? C'est écarté quand il a eu la balle, frère. Logique, non. Oui, c'est bien fait. Il est passé. Ah, la frappe, c'est bien. Voilà. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme. Bien joué, Vega. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout. Une passe pour Magnusson. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ouais, enfin, limite, dans le pire des cas, on joue le playoff, parce que du coup, le playoff, ça fait gagner la place aussi, apparemment. C'est ce que j'ai compris. Alvaro Morata. Morata. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Et bien fait, attention. Bien sûr. Oh là 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 là, et à peine et il est pas hors jeu. Je l'ai dribblé l'autre. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Bonne vision là avec la passe. Dur. Ah, l'attaque bute sur une défense bien en place. Ah là, elle était dure la passe. Il était un peu trop derrière. C'est ma faute là. Morata. C'est pas grave, on a 2-0. L'attaque se poursuit, elle se développe. Ouais, une bonne intervention pour empêcher le centre. Pourquoi il a levé la main? Ah, il y a un enjeu? Je pensais pas. En fait, j'ai pas fait gaffe, mais je pensais pas quand même. Merde, c'est à moi de faire la tête. Oh, je suis pas concentré, pas à deux. Ballon capté sans attention, problème. Toi, le défenseur gauche là, comment il s'appelle? Altaré, fais gaffe Altaré. Avec Bruno. Draxler. À l'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir. Et attention, ça peut payer là-dessus. Quelle intervention, elle est. Voilà. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise. Le doublé de Vega. Wouhou. Et avec ce but inscrit, ça fait 3 buts à rien au tableau d'affichage. Ta Vega a une forme étincelantine, dinguerie. Dinguerie quoi. Rodrigo De Paul. Au-dessus. Oh non, fallait faire avant. On peut-être hors jeu là, non? Je fais 0 effort sur le tir, c'est ouf. Cornea. C'est dégagé, aucun problème. Oh pardon, on s'est emmêlé. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Dommage. Ballon en corner. C'est à moi là? Ouais. Ballon mal dégagé, la défense. Ah, sur Chiellini, ça faisait bien. Il va falloir déclencher là. Ah, la frappe est contrée. Aïe. Il remporte son duel, bien défendu. De Paul. Et la balle change de camp. Ah, oh, je pars aussi. Ballon pour Alvaro Morata. Et le ballon passe vraiment. C'est quoi ces passes de ces tirs de merde là? On se demande même quelle était l'idée.
Il y a déjà un changement. Ouais. Avec Bruno. Attention, très bonne occasion. Et la parade, mais c'était pas fini. Mais ouais. Le ballon, c'est Ounas. Et derrière, ça ne pardonne pas. Oh, c'était gratuit. Hein. Oh, le but gratuit pour Ounas, je suis mort. Autant de buts en... Bon, on peut faire ça. Hein. Aussi peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. On peut se faire plaisir, on peut nous enlever. Faire rentrer Bernardi éventuellement. Que Draxler qui a pas marqué. Bon, on va faire en jouer, on va rentrer Canos en vrai. La deuxième période reprend et espérons pour le spectacle qu'elle soit. Ils ont défense avec 5 la Talenta. Ah ouais? Orientation vers Rodrigo De Paul. Ça continue avec Morata. Et oui, but. Ouf. Et avec ce but, ça fait maintenant 4-1. Rodrigo De Paul à la réception. La parade du gardien. Ça joue sur Alvaro Morata. Tire contre. Oh l'arrêt. Le ballon était pourtant parfait. Oh, je vais peut-être rentrer sur le jeu. Hein, ça joue comme ça. Tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Ça joue avec Klosterman. Attention, Alvaro Morata. Oh, ça va au fond. Bon, attends, on va re-rentrer en jeu. 4 buts à 2 au tableau d'affichage. On va re-rentrer en jeu, là, c'est n'importe quoi. On re-rentre en jeu, c'est mort. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque en très bonne position. Voilà. Oh oui, le but, son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme! Et c'est très spectaculaire. 7 buts inscrits au total. Le score 5-2. Ah, il faut l'aider maintenant. Oh merde! La transmission est coupée in extremis. Ah, la prise d'information pour amorcer une attaque. Il peut frapper. Attention, grosse opportunité. Et le ballon renvoyé par le gardien. Attention. Mais en fait, quand on est en simulation, on perd. Mais quand on n'est pas en simulation, on gagne. C'est ouf. Oula, non. Pourquoi ça fait ça? Aucune difficulté pour la. Pourquoi ça fait ça? On le voit dans ces stats, c'est l'ABC du football. Des bonnes opportunités créées et des buts, tout simplement. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien. Il tire cadré face à 5, ouais. Ah, c'est bien joué. Ce qui compte pour marquer ce genre de but, c'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau. Savoir saisir la bonne opportunité. Quel spectacle offensif. Match complètement décousu avec beaucoup de buts. Le genre de scénario dont on raffole. Attends. Une balle jouée en profondeur. Ah, oh, chargeux. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. J'étais mal placé là, c'est ma faute. Borja Iglesias. It's my fault. Ça c'est très con. Avec Bruno. Ah, il perd ce ballon. Avec Bruno. Ouais, ouais, tu peux faire ça. Intéressante. Et un petit peu de champ dans l'axe. Ouais, c'est un bon timing pour stopper cette attaque.
Ah, la bonne frappe. Ouais. Et ça finit. Nous y sommes. C'est terminé. Bon, bah en vrai, c'était un bon match. 5-3. En vrai, je suis content d'avoir mis la simulation parce que ça fait des buts, ça fait de l'animation. J'ai fait un triplé. Chiche. Ah, Bernardi. Ouais, il est rentré il y a pas longtemps, c'est bon. Mais ils sont du match quand même. Ouais, ok. Daluka a fait un bon match, je l'ai senti. Juste Bernardi éventuellement. 50-50 quand même, tu vois, 13-10. T'as juste curieux de voir ça. Début de deuxième mi-temps, ils nous ont mangé, ouais, c'est ça. Et on les a remangés après. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Du coup, on va en demi. 3-0 du Napoli face au Torino. La question que je pose, c'est est-ce qu'ils ont encore Aguara et Osimhen ? Milan éliminé. Oh putain ! Donc là, on est les seuls avec un putain de gros score. Attends, mais en demi, il y a Vérone, Juve, nous et Napoli. Masterclass si Vérone va en finale. Masterclass. Oh la vache. Bah y'a pas de son. Quelles sont vos impressions? Satisfaction pour mes joueurs, écoute, qu'est-ce que je te dise de plus? Un triplé. Vega est un modèle. J'ai confiance en mes joueurs. Par contre, il n'y a plus de son sur FIFA là. Et là, il y a du son. On est repassé 3ème du coup, ouais. Ouais. Off de près pour Gallo. Bah, en vrai, oui. Chaud. Je vais pas me concentrer sur lui et de le faire jouer. Dieu ferait d'un an. Moi, ça me va. Canos. Je voudrais être à ce poste. Ah non, c'est. J'y songerai, écoute. Ça veut dire oui, en gros. Qui j'enlève ? Juste faire hop. On va juste mettre Roméo. Ok, Lenny, il reste à 86 quand même. Hein. C'est ouf. Ouais, sinon. Sinon, on va laisser comme ça. Palerme. Verrouiller sur joueur. Je relogue sur Vega, j'ai bien aimé. Évidemment, son nom est sur toutes les lèvres. Vega qui a mis un triplé. Dernier match à marquer. No shit, Sherlock. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi du match. Bonsoir à tous. La nuit est magnifique au-dessus de ce stade et les conditions sont donc parfaites pour jouer au foot. On a hâte que ça commence. Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva est donc mon acolyte, l'immense, le grandiose Omar Da Fonseca. Aujourd'hui, c'est un match de série BKT qu'on va vivre ensemble. Et on ah non, je pars aussi. En général, c'est une très belle rencontre. Triste. Vous le savez, je suis votre plus grand fan. Jamais je ne manquerai un match avec vous. Draxler. Ah, oh, je peux pas partir assez vite, c'est ma faute. Réveille-toi.
sort en touche. Ah, c'était pour moi? Ok. Ouais, mais du coup. Sur ce duel. Ah, y a aucune dur. Pression et pourtant, le dribble n'est pas réussi. Oh, ça va, ok. Hein. Shoot, ok. Une donnée intéressante à retenir concernant l'équipe visiteuse, c'est tout simplement la meilleure défense du championnat. Ah ouais? Oui, ce qui est particulièrement intéressant avec l'équipe visiteuse, c'est le grand hermétisme de sa défense. Rien ne passe. Bon, c'est un peu beaucoup grâce à Chiellini. C'était très intéressante à cette offensive. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Je sais pas si on a la meilleure attaque. Parce que pour un temps on l'a été, mais je sais pas si on l'a encore. Que vu que Sassuolo marque beaucoup. Non, c'est con ça. Bah ouais, mais Chiellini, frérot. Chiellini, à quoi tu joues? Regarde-le, Chiellini. Allez, on revoit l'action, la passe est manquée. Et bien presque aux adversaires. Peut-être qu'il faudrait plus de disponibilité pour aider à sortir reprenant le ballon. Malheureusement, c'est des erreurs qui arrivent. Le premier but de ce match. Mais wesh. Au tableau d'affichage. Oh, le tir. Ouais, le ballon sort en corner. Manque de vivacité un peu mes défenseurs. Enfin, manque d'agressivité surtout. Surtout l'agressivité à mon avis. L'arbitre hors jeu, ok, carré. Ça donne donc un coup franc. On n'a aucune possession, frère. Intervention sur cette passe. Draxler. Draxler reçoit la balle. Ballon pour égaliser. Il est hors jeu, non? Et c'est au fond des filets. L'égalisation. Oh, peut-être pas alors. Oh bah non, du coup. Ounas, bien joué, mec. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Cinq buts en 27 matchs. Draxler reçoit la balle. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Dommage. Et voilà une bonne situation complètement gâchée. La faute sans doute à un peu de déconcentration ou de suffisance. C'est pas le gardien qui va s'en plaindre. Cet arrêt est très important. Il permet de maintenir son équipe dans le match. Et peut-être que cette parade, ça leur a fait l'effet d'un coup de fouet. L'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Ah non, ça ne marche pas. Ballon rendu à l'adversaire là-dessus. Et oui, c'est dangereux. Bien reçu dans le dos de la défense. Oh là là. Fond, but. J'ai bien fait de faire un appel. J'hésitais à arrêter mon appel en plus. C'est ça le pire. Wesh. Ça se fait mal un peu ça, non? Putain, ils montent pas le début de l'action à chaque fois, c'est relou. C'est vraiment un geste décisif. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. 24 buts en 25 matchs. Le coup du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et alors, en finir par être meilleur buteur, ça continue lui. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Elle fera peut-être. Mais arrêtez avec ces relances comme ça là. Y a pas à paniquer comme ça là. Ouais, c'est bien lui, ça. Bonne interception. Voilà, c'est maintenant officiel, on jouera. Ah merde. De temps additionnel. C'est fini là, non? Non. L'attaque se poursuit, balle au pied. Bon, c'est fini là. Voilà, ok. Coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la bon, 2-1. C'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Ouais, pas de changement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Même si l'équipe est menée au score, elle fait preuve de patience pour trouver la faille. Bien placé pour une frappe, peut-être. Et quelle intervention!
Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. On pouvait pas faire mieux là. Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. Oh merde. Contre bien tenté, je pensais qu'il l'avait. De coordination et le ballon est perdu. Je pensais qu'il l'avait. Le mercato, car on a entendu cette Upamecano à Chelsea. Upamecano a signé à Chelsea. Tout le monde était un peu suspendu à cette décision. Et pour cette équipe, c'est un renfort de poids qui devrait beaucoup les aider. Le ballon progresse bien. Non, il est hors jeu. Oh, c'est un bon ballon, ça. Ah ouais, ça aurait été un très bon ballon s'il n'était pas hors jeu. L'appel était intéressant malgré tout. J'ai fait la passe en mode réflexe. Putain, il est trop bien démarqué. Mais non, il y a un hors jeu, frérot. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Allez. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Ouais, bonne récupération du ballon. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Bon, j'ai rien fait. Bien joué mon ref. Permet de creuser l'écart et de faire le break. Deux longueurs d'avance, la victoire se rapproche. Regardez, non. Magnifique ce que passe laser. Épuise-toi mec. Et il vient ouvrir tout à la défense. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Draxler. Et ballon encore pour Draxler. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Ouais, bien joué, ça circule bien. Oh, c'était de la grosse merde ce tir. Ah, voilà, c'est un changement donc. De la grosse chiasse. Zidelukor à le faire sortir. Par Jovanovic. Hop. Il va faire rentrer Magnusson à la place de. Canos, on va le laisser jouer. Le gars, il est bien. Enfin, faire ça. On va faire rentrer Bruno. Et Christea, c'est bien. Voilà, changement donc. J'ai remplacé Villa pour, en mode normal, hein, pas Roméo. Alors que pourtant Roméo avait moins de forme. Roméo il jouera probablement pas le prochain match, pour ça que il jouera pas le prochain match même. Ouais, dans la profondeur. Allez, un bon ballon pour faire la différence. Et le ballon vient buter. Je sais pas ce qu'ils ont fait, les défenseurs, j'ai pas compris là. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. L'action se poursuit. Vas-y, tire. La tentative. Wesh. Le tir est puissant, mais le ballon n'est pas cadré. Mais frérot. Pourquoi choisir la force quand on est si frérot. Et le changement va donc avoir lieu. Vas-y, on va faire un dernier match après, je pense. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. La passe en profondeur, c'est dangereux. C'est volontaire. Oh, la frappe. Wow, Magnusson. Eh oui, c'est dedans. 3 buts d'écart maintenant. La passe en retrait a marché aussi. Il a préféré tirer. Et avec comme but, tu veux. Maintenant 4-1. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire.
Pas trop ça que je voulais faire. Ah ok. Ah, je pense qu'il y a moyen de faire un dernier truc, mais Youssef. Oh la vache. Canos, très bonne note, je suis content. Est-ce qu'il y a du match, je sais pas, chez nous? Non. 8-2. Un but, une passe D. Là, un but, il a. Pourtant, il est arrivé bien tard. Toi, t'as une très bonne note aussi. Jovanovic, un peu moins, mais t'as pas touché vraiment de ballon, donc je t'en veux pas. De Luca, il a fait un bon match aussi. Romeo, ok. Bruno, pas de ouf par contre. Bruno, t'es pas ton fort à droite, donc je te comprends. Après, Bruno, t'as pas touché beaucoup de ballons, c'est pareil. Genre, lui, pareil, il a touché que dalle, donc c'est pour ça qu'il a une note faible. Ouais, du 50-50 la possession, c'est ça. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. C'était un grand match. Oh, on avait perdu la première fois contre Palerge. C'est vrai. On était plus déterminé, je pense. Toujours la même question. Le score est sévère pour eux. Chiche. Merci encore per il suo tempo. Off de prêt pour Maric. Oui, chaud. Oh, 2 ans, ouais. Je pensais faire un prêt court, mais... Continue, mec. On est repassé deuxième ou pas, du coup? Merde. Ah non. Et c'est chaud, hein. Ah, ça, celui-là est trop loin devant. À part un gros choc, je vois pas comment il... Comment ils perdent. Ouais. Il a accepté le prêt? Maric, là? Ah non, c'est Gallo. Est-ce qu'on raffronte la Spezia ou Sassuolo déjà? Mais. À l'aide? RBC. Oh putain, on affronte vraiment les Las Véron. Du coup, il y aura un Naples UV de l'autre côté. Dinguerie. Mais moyen qu'on ait en finale du coup. Ok, Sassuolo. Est-ce qu'on raffronte la Spezia? Eh ben non. On a déjà affronté 2 fois la Spezia. Ça va, il y a quand même des matchs. Ok. La fin de saison va être intéressante. C'est ça qu'il faut dire. Faut pas perdre quoi. Parce que j'ai vraiment envie de monter. Ça, la défaite contre le Ternana, je troll un peu. Youf! Ah, normal. Seulement 2-1. Eh bien. Vas-y, dernier match et on va stopper là. Cosenza. Attends, je vais juste checker. Y'avait pas la coupe pas loin après? Ah non, c'est là.
Ok, bah ça va. Du coup, on peut partir avec l'équipe type en vrai. Villa 74! Eh ben putain. Gestion d'équipe, on va mettre Bernardi à la place de Altare. Frère. Voilà. On a une attaque de zouin zouin, frérot. C'était pas 71 il y a genre. Il y a 3 secondes. Je suis persuadé que si. Pour la peine, je lock sur toi, Villa. Et vas-y, ça va être le dernier match du coup. Peut-être l'avant-dernier si je suis gourmand. On y est, et évidemment, c'est une affiche qui fait rêver tous les amateurs de. Quoique, non, en fait. Parce que il me faudra un match d'appui avant la coupe. Parce que si je choque sur le premier match à la coupe, bof. Salut à tous, la pluie, vous le voyez, qui a fait son apparition dans le panorama, évidemment. Ça peut avoir une influence sur la qualité du jeu avec le ballon qui fuse. Ici donc la team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. Au le tifo de série BKT à vivre ensemble. Et on le sent déjà, ouais. En général, c'est une très belle rencontre qui s'annonce. Quand on aime le football, on est en passion. J'ai déjà envie que ça commence. Vamos. Draxler reçoit la balle. Ouais, bonne intervention du gardien. Wow. Eh oui, elle est bonne cette passe. Ouais, je sais trop le gardien. Et encore un arrêt à mettre à fond d'actif. Quasiment les trois quarts des matchs ont été joués. Quand on regarde le classement, évidemment, on voit mal ce qui pourrait les empêcher d'être sacrés. La difficulté maintenant, c'est d'arriver à maintenir son niveau d'application, de ne pas sombrer dans la facilité du geste. Draxler reçoit la balle. L'occasion de prendre l'avantage. Oh non. Mal avec cette grosse occasion loupée. Mais il veut rapidement oublier ça, hein, pour ne pas se mettre à douter. Même s'il le doute est l'élément clé de l'intelligence. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Oui, bonne intervention. Wesh. Pour couper l'attaque. Ah, j'aurais peut-être dû mettre Jovanovic titulaire. Oh ouais. J'aurais pu. Je pense qu'il méritait. Après, De Luca, il a fait quand même de très bons matchs. Et voilà, c'est un profil incontournable dans cette équipe. On s'attend à une bonne prestation de sa part. On l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec. Oh, c'est dangereux! Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Putain de profondeur. On joue que sur la profondeur pour continuer le dinguerie. 1-0 dans cette partie donc. Oui, le bon geste défensif. Elle est merveilleuse cette passe. Compliqué. La projection dans le camp de l'adversaire. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon. Bien joué, Bernardi. Ah, dur. Dur, j'admets, c'est dur. Ah, ce que j'ai fait. La possession est perdue. Ouais, je voulais qu'il fasse un appel aussi, c'est relou. Ah, même si l'équipe est menée au score, elle fait preuve de patience pour trouver la faille.
L'équipe locale n'a pas la maîtrise du ballon, mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football est aussi une affaire d'opportunité et de réalisme devant le but et dans les moments clés du match. Ah, il leur en faut peu pour marquer, et pourquoi pas là encore. Et Draxler en bonne position. Bah par exemple, voilà. Oh oui, ce but. Suffisait d'en parler. Ce but qui va faire du bien et qui permet maintenant de mettre leurs adversaires à deux longueurs. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Avec Bruno. Et la balle change de camp. Oui, le long ballon. Et non, ça ne passe pas. C'est un ballon bien repris. Ah, merde. Et un ballon dans la profondeur. Alors, Joe, oui, c'est flagrant, là, la position dehors. Ouais. En train de m'endormir, ça y est. En fait, j'ai mal aux yeux, là. Ah, elle est dedans, oui, je l'ai vu dedans. C'est au fond, cette réalisation pour continuer à y croire et pour vivre encore dans ce match. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1. Et voilà le coup de sifflet. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Non, frérot. Non, c'est du troll. L'action se poursuit. Ça part très bien. À deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Ah, il est bien frappé ce corner. Bon arrêt. Les mains sur le ballon. Oh merde. J'ai fait un chouïa trop haut. Je voulais lui foncer dessus de base. Mais longtemps il n'y a pas eu de péno de trucs comme ça. Ouais, facile, ça passe. Occasion avec la frappe. Mais quelle occasion énorme. Dingue, ça. Qu'est-ce que c'est frustrant, hein, de passer à côté d'une belle occasion de se réjouir. Et nous voilà maintenant dans la demi-heure de jeu. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Alors il y a contact, mais l'arbitre. Proche, je prends un jaune. De jouer, de continuer, il laisse l'avantage. Je crois que je prends un jaune après là. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. La bien placée, ouais. Attention. Et ouais. Bon, les voilà avec un avantage de 2 buts maintenant et ça commence à être plutôt confortable. Allez, les gars qui ne marquent pas, hein. Qui fait des passes des. Ouais, bien sûr, je prends un jaune. C'était logique. En vrai, c'était logique que je prenne le jaune là. L'attaque se poursuit, balle au pied. Pas assez de puissance, cette précision. Le ballon est intercepté. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, ouais, écoute. Tenter dans la vie. Hein. Ah, le centre est dévié, ça mérite. Par contre, il a une endurance de fou, Villa, c'est fou. Il a encore tout ça alors qu'il en a 75ème. J'ai fait des beaux sprints quand même. Oh, bien joué. Avec Bruno.
Ah, j'ai pas pu faire l'appel. J'ai vu, je l'avais vu son appel. Oui, il est passé là avec ce petit pont. T'as mis skin Ounas. Ah oui. Oh non, le ND. Vas-y, Ounas. On sort juste un peu. Oh. Et c'est donc un corner à suivre. Non, Ounas, le pauvre, je vais jouer. Et le remplacement peut avoir lieu. C'est bien parti pour ce corner. Magnusson. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Ouh, il est manqué. Ce ça aurait pu. Attention, ce n'est pas terminé. À une succession de passes pour faire valser l'adversaire. Electronic. Putain, j'écoute de la musique électronique, hip-hop un peu. Placement entre les lignes, ballon récupéré. Je sais pas. Et le panneau indique le temps additionnel, une petite minute. Ah, fini. Bon, c'est bon, un petit 3-1, c'est cool. Avec une explosion de joie dans le allez, stade. Lâche Pedia, perd. Vas-y, on s'en fout des stats là. On a de la musique. Je sais que c'est Bombfuck M6, ça c'est sûr. Ouais! Attends, on a les mêmes stats. On a le même score, mais j'ai une meilleure différence de but. En même temps, il marque beaucoup moins. Ah, ça y est, d'ailleurs, j'ai dépassé Sassuolo qui m'avait redépassé. Ouais, tu vois, les buts encaissés, tu vois, j'en ai pris deux de moins que eux. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. We are Atomic. Ouais, c'est bien cette musique-là que je pensais. Je l'avais juste pas like, donc je la like. Vas-y, on va faire une last. Maric. 2 ans, allez. J'ai envie de le licencier, lui. Je sais pas si ça sert à quelque chose de licencier. Bon. Feel the beats. Allez, go. Rapport mensuel, justement, j'attendais que ça. Alors. Non. 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 Mais non. Trouvez le côté du Darude. Bon, allez, vas-y, je peux faire la last. Venezia. Mes frères, regarde-les. La villa, c'est comme s'il avait 79. Là, je vais remettre Christophe Beck. Et là, je vais remettre Bernardi. J'ai bien aimé. Juste remettre Jovanovic et Castillo. Villa et Bruno, on va les laisser. Verrouiller sur joueur. Ah non, j'avais dit que je le jouais pas. Vas-y, au pire, je le joue. Et puis merde. Et puis merde. Et ils ont presque la même compo que nous, 4-3-1-2. Et nous, c'est 3-4-1-2. Son nom est évidemment dans tous les esprits avant. Bon, on leur met un 3-0 et on stoppe le match. Salut à tous, la pluie, vous le voyez, qui a fait son apparition dans le panorama. Évidemment, ça peut avoir une influence sur la qualité du jeu avec le ballon qui fuse. Pour vous accompagner, votre duo de commentateurs franco-argentins. Après, il y a un match aller-retour, hein, face à l'Hellas Vérone.
et il y a de la tension, mais donc en vrai tu vois c'est pas très grave si on perd le match aller. C'est relou hein, mais mais le football m'a permis de la vivre. Aimons nous vivons, aimons nous vivons. Voilà une bonne défense. Wow. Bien parti dans le dos. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Ouais, difficulté pour le gardien. Il y avait vraiment mieux à faire quand même. Oh, je sais très bien ça. Et voilà, c'est un profil incontournable. Oh, c'est moi les gars. On s'attend à une bonne prestation de sa part. Côté statistique. Mais putain, les défenseurs, en fait quoi ? C'est 4 buts inscrits lors des 3 derniers matchs. Pas mal quand même. Je m'endors. Je m'endors sur le match, j'aurais peut-être pas dû le lancer. La bonne percée, il faut aller provoquer. Excellent. Oh, elle rentrait. Corner. Ah, ah, pas assez. C'est mal dégagé, ça peut profiter à l'adversaire. Ballon pour Draxler. Ouais. Eh oui, le duo est remonté. Touche. Oh merde. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Crotte de nez. On a un défenseur de 39 ans qui a toujours la forme. Ouais, c'est ouf ça. Ben voilà, c'est bien une bonne séquence d'attaque placée. Oh, la bonne frappe. Oh non, Magnusson. Incroyable, il va falloir patienter encore un peu avant l'ouverture du score. Le but était grand ouvert, hein. Il avait quoi son vouloir. Et le ballon est finalement intercepté. Et oui, c'est dangereux. Mais... Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Oh, j'ai cru que c'était Magnusson. T'as de la chance que ce soit Draxler. On joue beaucoup sur le côté gauche depuis tout à l'heure. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Ah, ballon perdu, la possession change de camp. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Interception décisive dans la surface. Oh là là, Magnusson. Triste. Jovanovic, il avait pris ma place. Je me suis dit, vaut mieux rester derrière au cas où. Là, je peux monter. Ballon pour Draxler. Ah bah voilà. Et c'est au fond, voilà. Tu vois quand tu veux, Magnusson. La classe est rompue et ce match va débuter pour de bon. 1-0 donc au tableau d'affichage. Tu vois quand tu veux. On va juste checker les stats après. 32, ouais. Et 45 au plus tard, je pars. Andersen. Attends, ok. Et donc on va. Et ben on est pas mal. Juste bon Draxler. On va faire rentrer Ounas. M'excusera, hein, mais voilà ce que tu montres un peu. Je suis pas convaincu. Hein. L'arbitre vient d'indiquer le début. Je suis peut-être un peu dur, c'est vrai. Non, en vrai, c'est surtout que le match contre la. Comment ça s'appelle l'attaque n'ira pas plus loin. Contre Vérone.
aussi. Faudra bien reposer mes joueurs. Ah, c'était pour moi. Exploiter ce ballon. Et c'est une frappe. Wesh. Donc vu ce qu'il vient de faire. Pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Mais c'était sans compter sur le gardien qui anéantit provisoirement ses rêves de doubler. Quelle action. Oh lolo. Elle partait très bien cette tête. Il fallait aller la chercher celle-là. Quelle magnifique parade. Le corner. C'est dégagé, aucun problème. Il y a la place pour une frappe. Ouais, ah, mais dans notre pire moment. J'arrive pas à marquer, hein. C'est ouf. Je peux pas faire sortir Kelleni. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Allez, on va tracer un peu. Il m'a clairement baisé. Bref, j'ai fait de la merde. Il m'a eu. Un peu vulgaire, ce que je viens de dire. Un peu vulgaire, oui. Eh, ça fait vraiment 3 ans qu'il n'y a pas eu de péno. Bien content, en vrai. Magnifique, quelle passe! Allez, il faut s'appliquer sur ce ballon. Voilà. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note. Voilà ce qu'on appelle casser les lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Oui, vas-y. Finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. 25 buts en 27 matchs. Sachant qu'il a pas joué tous les matchs du coup. Et on a, il a quasiment tous joué. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Oui, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace. Attention, grosse occasion. Ouh, c'est contré, in extremis. Ouais. Voilà. Ah ouais, vas-y en vrai. Vas-y pour Roméo. Y a moyen de faire rentrer. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Allez, bien frappé ce corner. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Ah, je suis en B du coup là. Ballon dangereux en profondeur. Oh, vas-y, Kelleni. Quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cette. Mais Kelleni, frérot. La présence, la perspicacité et son. Oh, un peu forte. Personnalité. Les 3 P. Quel réflexe sur cette tête. Pour espérer la toucher. Elle est un peu forte, je l'admets. Mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt. Ballon rendu à l'adversaire. Je pense que Cano sera titulaire prochain match. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Eh ballon récupéré sur cette. Ok. Bonne. Ok. Même si c'est que dalle. Ah bah non là. On va faire ça alors. Ah, le ballon n'arrive pas à destination, c'est dévié. Et voilà, directement dans les mains du gardien. C'est une bonne progression dans le camp adverse.
boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Ouais. Bien joué. 2-0. L'arbitre met maintenant un terme à ce match et donc l'équipe qui c'est bien joué, rien à dire. Ils ont la possession mais ils ont tellement moins de tirs que nous, c'est ouf. Ouais, à part Castillo, que des bonnes notes, c'est cool. C'est cool. Je peux dire qu'il fait un nul, let's go. Let's go! Je suis en train de lâcher prise. Let's go. On va juste checker les stats, on va stopper là. Pépépé. Ouais, je sais, le salaire 100-0. Surtout que mes joueurs s'améliorent, donc en soi ça me dérange pas. C'est quoi que je voulais? Les stats. Déjà on va checker les autres championnats avant. Genre, bon la Bundes, c'est quoi? Dortmund devant Bayern, dinguerie, ok. La première ligue, on va checker vite fait. Liverpool toujours, ok. La Liga, c'est toujours le Real, je suppose, ouais. Ligue 1, toujours pareil, quand même derrière, ouais. Ligue 2, c'était qui déjà? C'était 3, je crois, ouais. Serie A, c'était qui déjà? C'était la Juve ou l'Inter? Bah, je sais plus. Mais en tout cas, c'est ultra serré. La Lazio, deuxième, ah ouais! C'est serré en vrai là le top 6. Alors c'était déjà serré comme on avait vu mais. Ok, stylé. Stylé. Accueil équipe, on va checker un peu. Vega qui marque 31 buts en 31 matchs. Bien joué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise après un plus 3, bah normal. 12 passes D, ok. Magnusson deuxième avec 19 buts en 27 matchs, ok. Draxler 13 buts en 28 matchs. Ensuite Villa 9, 32, Yone 6 et Bruno 6, ok. Et on passe D. C'est Magnusson premier, puis Draxler deuxième, puis Vega troisième. C'est vrai que j'incarne beaucoup Vega. J'aime bien Vega. J'aime bien son profil. Après il y a Villa, ok. Non, c'est cool en vrai. C'est grave cool. Conti qui a pris un plus 5, ok. Bon, eux, je les ai mis en prêt, mais... J'avais deux décès un peu en trop. Ils n'avaient pas trop joué. Autant Hoffmeier à voir s'il a du potentiel encore. Parce qu'en vrai, il y a moyen d'exploiter un truc sur lui, je pense. Autant Delorco, pas de ouf. Giordano a pris un plus 2. Kondra qui a mis un but, ouais, qui a joué 3 matchs. Ok. Qui coûte le plus cher financièrement? Ah oui, mais non, j'ai mis en. Attends, valeur marchande. Vega, je savais en premier. Pas, c'est Draxler, ok. Ensuite, c'est Magnusson. Ça, c'est ouf quand même. Il a qu'à manger un plus 4, c'est cool. Bernardi qui a pris un plus 3, là, c'est cool aussi. Ok. Bah moi, je vais stopper là. En fait, je voulais voir les matchs aussi...
Ok, cool. Je voulais voir aussi le du championnat. Ouais, vas-y, on va checker. On va checker. C'est où déjà? C'est juste ça, je crois. Ouais. Alors, meilleur buteur. Ah, mais c'est un Coppa Italia là. Voilà. Donc, c'est Alvarez Martinez qui est 31 buts en 28 matchs. Ouais, mérité pour lui. Il y a Vega qui est derrière avec 25 pour 27. Ok. Et après, c'est 16. Ah ouais. Excusez-moi. Ouais, après, tu vois, il y a Magnusson, 13, 23 et Draxler. En fait, on a 2, 7, 9. Pas mal. Alors qu'à côté, tu vois, t'as 1 et 11. En Copa. Attends, hop. Je voulais voir la meilleure passe D. Ouais, passe D, on est beaucoup dedans. Hein. 1, 2, 4. 1, 2, 4, 6, quoi. Enfin, 1, 2, 4, 5 ou 1, 2, 4, 6. Non, 1, 2, 4, 6 parce que les gens. Ouais, salut! Ok. Ma cibilité, c'est Sportiello. Ok. Ok. Et bah je vais stopper là. Carré.